Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un roman extraordinaire que vous pouvez trouver sur Internet. On va étudier un petit extrait, mais vu la situation actuelle, je vous conseille de lire ce roman parce qu'il est magnifique. Ça va vous aider à supporter le confinement. Bon, je parle de Madame Bovary, un roman de Gustave Flaubert. Donc, Flaubert, né en 1821-1880, son père était chirurgien à Rouen et Flaubert a grandi dans le cadre mélancolique d'un hôtel-dieu, un hôpital. Sans doute a-t-il ainsi puisé dès l'enfance un fond de pessimisme et de tristesse, et aussi l'amour de l'observation attentive et scientifique. Il passa près de 5 ans à écrire Madame Bovary, qui est sortie en 1856. Pour Flaubert, l'œuvre d'art doit représenter toute la vie, tandis que le romantisme ne choisit que les aspects singuliers et même invraisemblables, le romancier objectif choisira de préférence les aspects les plus ordinaires qui ne sont ni grands ni beaux. C'est ainsi que Madame Bovary est une fille de paysan, élevée dans un couvent de bourgeoisie élégante qui rêve de luxe et d'amour romantique. Elle ne peut épouser qu'un petit médecin de campagne, médiocre et fruste. S'ennuie dans les bourgs où elle est condamnée à vivre, tente de trouver le bonheur dans des amours qui ne lui donnent que des rancœurs et finit par s'empoisonner. Flaubert s'affirme comme un maître du réalisme. Chacun de ses romans fait le constat de l'échec, d'une expérience amère et désenchantée du monde. On retrouve en 1877 la même exigence du vrai dans un cœur simple, le premier de ses trois contes. Entrepris dès 1848, La Tentation de Saint-Antoine, que Flaubert achève en 1872, reflète son émerveillement face à l'atmosphère, au paysage et à l'histoire du monde oriental. L'Antiquité est un cadre qui reconstitue avec Municie les guerres carthaginoises. Admirateur de Balzac, obsédé par le désir de fouiller le vrai, Flaubert s'impose comme le chef de file des écrivains réalistes de sa génération. Mais le réalisme est chez lui au service de l'art. Flaubert mène un travail passionné et minutieux, conduit par l'exigence. Il multiplie les brouillons, soigne chacune de ses phrases, gueuloir après une nuit de travail dans la solitude de son bureau. Le romancier lit son texte à voix haute pour en vérifier le rythme et les sonorités. C'est ainsi qu'au moment d'écrire Madame Bovary, Flaubert rêve d'un livre sur rien, d'un roman qui se tiendrait de lui-même par la force interne de son style. Ses nombreuses descriptions témoignent à la fois de ce souci de multiplier les tableaux de la réalité, ainsi que de cette sens d'enchantement de l'écriture. Un garde-chasse guéri par monsieur d'une fluxion de poitrine avait une petite levrette d'Italie. Elle la prenait pour se promener, car elle sortait quelquefois afin d'être seule un instant, de n'avoir plus sous les yeux l'éternel jardin avec la route poudreuse. Elle allait jusqu'à la hêtraie de Banneville, près du pavillon abandonné qui fait l'angle du mur du côté des champs. Il y a dans le saut de loup, parmi les herbes, de longs roseaux à feuilles coupantes. Elle commençait par regarder tout alentour pour voir si rien n'avait changé depuis la dernière fois qu'elle était venue. Elle retrouvait aux mêmes places les dégitales et les ravenelles, les bouquets d'orties entourant les gros cailloux et les plaques de lichen le long des trois fenêtres dont les volets, toujours clos, s'égrenaient de poussière.
pourriture sur leur barre de fer rouillée. C'est son but d'abord, vagabonder au hasard, comme la levrette qui faisait des cercles dans la campagne, japper après les papillons jaunes, donner la chasse aux musaraignes ou mordiller les coquelicots sur les bords d'une pièce de blé. Puis, ses idées peu à peu se fixaient, et assise sur le gazon, qu'elle fouillait à petits coups avec le bout de son ombrelle, Emma se répétait « Pourquoi, mon Dieu, me suis-je mariée ?» Elle se demandait s'il n'y aurait pas eu moyen, par d'autres combinaisons du hasard, de rencontrer un autre homme. Et elle cherchait à imaginer quels eussent été ces événements non survenus, cette vie différente, ce mari qu'elle ne connaissait pas. Tous, en effet, ne ressemblaient pas à celui-là. Il aurait pu être beau, spirituel, distingué, attirant, tels qu'ils étaient sans doute ceux qu'avaient épousés ses anciennes camarades du couvent. Que faisait-elle maintenant? À la ville avec le bruit des rues, le bourdonnement des théâtres et les clartés du bal. Elles avaient des existences où le cœur se dilate, où les sens s'épanouissent, mais elle, sa vie était froide, comme un grenier dont la lucarne est au nord. Et l'ennui, araignée silencieuse, filait sa toile dans l'ombre à tous les coins de son cœur. Explication des mots. Garde-chasse, un gardien d'une chasse privée. Muqabil arabi, haris al-sayd. Fluxion, pneumonie, c'est une maladie des poumons. Marad al-ri'a, muqabil arabi, poudreuse, qui a l'aspect ou la consistance de la poudre. Mutaraba. Être, arbre des forêts tempérées. Muqabil arabi, nawa khashab, muran, awra, zen. Pavillon, une petite maison dans un jardin. Muqabil arabi, lilqit warawq. Roseau, plante qui pousse au bord des étangs. Khasab. Ortie, plante herbacée aux feuilles irritantes. Lugha al-arabiyya qurras, wali tansmiou hna bid-darija al-hurrika. Lichen, végétal provenant d'un champignon et d'une algue. Volet, panneau de bois ou de métal pour fermer une baie de fenêtre ou de porte. Muqabil arabi lilqit warabda. S'égrener, se présenter en rang semblable et distant. Rouillé, oxyde ferrique hydraté. Muqabil arabi wasada. Vagabonder, errer ça et là sans but précis. مقابل العربي جهل بدون هدف محدد هذا اقتراح مني انا جابي ابويي بالعربيه صوت مزارين petit animal qui se nourrit d'insectes et de vers coquelicot plante herbacée à fleurs rouges باللغه العربيه شقائق النعمان بالدارجه تنقولوا ليه بالعمان. Ombrelle, petit parasol portatif. L'arabie shamsiya au midallah. Spirituel, qualité de ce qui est lié à l'esprit. Distingué, qui manifeste de la distinction. Remarquable. Mutamayyiz, aniq, hasan al-madhhar. Attirant, qui attire, séduit. Sahir, fatin. Couvent, maison religieuse. Dair, meskan rohban, warrahibet. Bourdonnement, bruit fait par un insecte. Blarabia, tanin, ou aziz. Bal, réunion consacrée à la danse. Hafla raqisa. Se dilate, faire augmenter le volume. Tamed
dedans, à vous mettre dedans. S'épanouir, être heureux, s'ouvrir comme une fleur. Fattaha wa azhara. Grenier, lieu où on conserve le grain. Makhzan. Lucarne ou ouvrage enseigné sur un toit. مقابل عربي اللي لقيت هو خوخة كنت قبلو كلمة قبلوش ولكن هو اللي لقيت سو دو لو une ouverture installée au sol pour permettre à la lumière naturelle d'éclairer une partie du sol. Madame Bovary a la chance d'être le chef-d'œuvre du roman contemporain. C'est une œuvre d'observation minutieuse et serrée, dans une forme tout à la fois éclatante et solide. Le réalisme de Flaubert n'est jamais une servile et plate copie des apparences superficielles. Tous ces personnages sont si patiemment étudiés qu'en faisant saillir tous les détails de leur individualité, et ils dégagent les traits profonds qui en font des types puissants et compréhensif. C'est maintenant un article de foi littéraire que Madame Bovary a été le point de départ d'une brusque évolution dans le roman et que son auteur incarne le réalisme et le naturalisme français, disait Bétier. Et Flaubert lui-même déclare « Plus l'art ira, plus il sera scientifique ». La littérature prendra de plus en plus les allures de la science. Le réalisme de Flaubert. Il y a en réalité chez Flaubert deux hommes. Un romantique ardent, épris de rêves, de chimères, et un réaliste épris de vérité stricte qui surveille le romantique sans jamais le faire disparaître, disait Mornay. Le réel, c'est à représenter le réel scrupuleusement, patiemment, que Gustave Flaubert s'est consacré avec une passion qui mettait aux prises les deux hommes en lui. Il y en a au moins, il disait, il y en a au moins, écrivait-il, deux bonhommes distincts. Un qui est épris de gueulade, de lyrisme, de grand vol d'aigle et de toutes les sonorités de la phrase et des sommets de l'idée, un autre qui creuse et qui fouille le vrai tant qu'il peut, qui aime à accuser le petit, fait aussi puissamment que le grand, qui voudrait vous faire sentir presque matériellement les choses qu'il reproduit. Cette citation a été citée par René Laloux. Bon, c'est la fin de ce cours. Je souhaite que vous allez rester chez vous, ne sortez pas, prenez soin de vous et de vos familles. À bientôt. Bonjour, aujourd'hui on va parler du Père Goriot, on va parler de Balzac. Balzac grandit à Tours, mal aimé dans sa fonction. Il montre peu de goût pour les études. À Paris, installé dans une mansarde, il écrit des romans d'aventure sous divers pseudonymes. Il rencontre alors Madame de Berny, qui l'aide à se lancer dans les affaires, mais l'imprimerie achetée fait faillite. Balzac est endetté pour la vie. En 1829, il publie un premier roman sous son nom, Les Chouans. Commence alors une période d'activité prodigieuse en 10 ans. Il écrit ainsi 85 romans regroupés sous le titre de la Comédie humaine. En 1832, il reçoit la première lettre d'une admiratrice, Madame Anska, qui devient l'amour de sa vie. Habité par la fièvre de la création, Balzac écrit sans cesse, échafaude des projets pour faire fortune. La nuit, sa cafetière de porcelaine portée de la main, il écrit plusieurs romans à la fois. À 48 ans, il est épuisé.
Il achète une maison pour y accueillir Madame Anska, mais l'écrivain meurt en 1850, usé par ses anciennes, pardon, par ses années intenses de production, quelques semaines après son mariage. À travers son projet romanesque et les moyens qu'il met en œuvre, Balzac apparaît comme le premier des grands écrivains réalistes. Son ambition est de décrire la société dans son entier, telle qu'elle est. Immense entreprise qui fait du romancier un observateur de la réalité, mais aussi un visionnaire capable d'innombrables personnages et d'imaginer leurs drames secrets. La comédie humaine pénètre ainsi dans tous les milieux, démontant les mécanismes sociaux qui conduisent les individus à la richesse ou à la misère. Dans 90 romans et nouvelles, à travers l'alternance de scènes tragiques et comiques, entre la vie de province et la vie parisienne, 4000 personnages animent cet immense assemblage de figures, de passions et d'événements. Un extrait du Père Goriot. Entre ces deux personnages et les autres, Vautrin, l'homme de 40 ans, à favori peint, servait de transition. Il était un de ces gens dont le peuple dit « Voilà un fameux gaillard ». Il avait les épaules larges, le buste bien développé, les muscles apparents, des mains épaisses, carrées et fortement marquées aux phalanges par des bouquets de poils touffus et d'un roux ardent. Rayé par des rides prématurées, offrait des signes de dureté que démentaient ses manières souples et liantes. Sa voix de basse taille, en harmonie avec sa grosse gaieté, ne déplaisait point. Il était obligeant et rieur. Si quelque séal, il l'avait bientôt démonté, ravistolé, huilé, limé, remonté en disant « ça me connaît ». Il connaissait tout d'ailleurs, les vaisseaux, la mer, la France, l'étranger, les affaires, les hommes, les événements, les lois, les hôtels et les prisons. Si quelqu'un se plaignait par trop, il lui offrait aussitôt ses services. Il avait prêté à Madame Vauquet et à quelques pensionnaires, mais ses obligés seraient morts plutôt que de ne pas le lui rendre, tant malgré son air bonhomme, il imprimait de crainte par un certain regard profond et plein de résolution. À la manière dont il lançait un jet de salive, il annonçait un grand froid, imperturbable, qui ne devait pas le faire reculer devant un crime pour sortir d'une position équivoque. Comme un juge sévère, son œil semblait aller au fond de toutes les questions, de toutes les consciences, de tous les sentiments. Ses mœurs consistaient à sortir après le déjeuner, à revenir pour dîner, à décamper pour toute la soirée et à rentrer vers minuit à l'aide d'un passe-partout que lui avait confié Madame Vauquet. Lui seul jouissait de cette fin. Explication des mots. Transition. Passage d'un état à un autre. بالعربية مقابل عربي فترة انتقالية. Fameux, qui a une grande réputation, célèbre. Mashhour. Buste, partie supérieure du tronc. يعني بالعربية نصف الأعلى من جسم الإنسان. Phalange, chacun des segments qui composent les doigts. عظمة الأصبع. Roux, d'une couleur orangée tirant sur le rouge. Prématuré, né trop tôt, qui arrive avant le temps normal. Lion, qui se lie facilement avec autrui. Harmonie, suite de sons agréables à l'oreille. Insijam, awitisaq. Ravistolé,
Réparer un objet de manière imparfaite. Limer. La lime, c'est un outil de métal servant à entamer et user par frottement. Limer le مقابل العربي اللي لقيت هو مبرود. Vaisseau, navire d'assez grande dimension. Safina ou markab. Imperturbable, que rien ne peut troubler. Thabit عند الشدائد. Équivoque, qui a un double sens. Ambigu. ممكن نعطيو المقابل غامض او مبهم. Mœurs, comportement d'une personne, coutume et usage. ممكن نعطيو التقاليد اعراف اخلاق. Décompé, c'est s'enfuir. Haraba. Nage de Balzac. En proie à une passion sans plus grand que nature, sans cesser d'être vrai. Et ça, c'est en relation avec le réalisme de Balzac et de son œuvre. L'imagination de Balzac les a doués d'une énergie farouche, d'une activité inlassable, de passion dévorante ou d'une faiblesse sans mesure. Et les a lancés dans cette jungle sociale où se déchaîne la lutte pour la vie, leur permettant ainsi de se réaliser pleinement jusqu'au triomphe ou à l'anéantissement. La passion de l'argent. Balzac a introduit dans la littérature le rôle de l'argent de ses drames, la comédie humaine tout entière et le tableau de ce nouveau conflit de l'argent entre ses profiteurs et ses victimes. La peinture de la société française. Le roman balzacien, tout en intéressant le lecteur à des caractères et à des passions, à des comédies, à des drames, à des aventures, entend devenir vaste miroir de l'époque. C'est comme un miroir qui peint les mœurs du temps de Balzac. Moi-même, je vous remercie. Portez-vous bien et à bientôt. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un texte de Madame de Staël. C'est une écrivaine très connue qui a eu beaucoup de succès. Et c'est Germaine Necker, son vrai nom, de nationalité suisse, née à Paris en 1766. Genevois Jacques Necker, plus tard ministre de Louis XVI. Elle épouse en 1786 le ambassadeur de Suède à Paris. Bien qu'elle ait dit à la naissance de la Révolution, elle est forcée en 1792 d'émigrer à Copé, près de Lausanne. Elle rentre en 1797 à Paris, qui est de l'influence des passions. Le salon de Madame de Staël, époque, Cabani, Benjamin Constant,
avec lequel elle entra une liaison sentimentale et intellectuelle, longue et passionnée. En 1800, la littérature considérée dans ses rapports avec les institutions. Important essai de sociologie et de littérature. En 1802, Delphine la rend célèbre. Son roman est en fait un plaidoyer politique. L'action se passe en 1791, expose la défaite de Delphine, victime, d'où d'importantes pages sur des thèmes politiques comme le divorce, le duel, la guerre civile, la religion, le salon. Le salon qui l'entoure devient de plus en plus brillant avec Madame Récamier, Chateaubriand, Narbonne. Mais la police impériale suspecte l'écrivain d'intriguer avec les généraux Moreau et Bernadotte. L'empereur lui intime l'ordre de séjourner hors de Paris. Elle part alors pour l'Allemagne où la rejoint Benjamin Constant. Puis elle gagne l'Italie, 1804-1805. Elle s'enthousiasme pour les sites et connaît une grande. De ce voyage naît Corinne, 1807, roman qui influencera toute la littérature française pendant un demi-siècle. De l'Allemagne, la police est détruite en 1810. En mai 1814, Madame de Staël rentre à Paris, symbole de l'opposition intellectuelle à l'Empire. Elle connaît un prestige immense. Elle publie alors ses considérations sur les principaux événements de la Révolution française. Et après un dernier voyage en Italie et un dernier séjour à Coppet, elle meurt en juillet 1817. Corinne ou l'Italie, l'œuvre de Madame de Staël. Delphine, 1802, Germaine de Staël célèbre. Ce roman riche mais jugé antisocial par Bonaparte est un roman par lettres, plaidoyer politique. Delphine, dont l'action se situe en 1790-1791, met en lumière les résistances de l'ancien régime aux tendances nouvelles de la société telles qu'elles se sont manifestées à la fin du XVIIIe siècle. Delphine incarne l'esprit libéral. Delphine s'inspire en grande partie d'événements réels, voire autobiographiques. Germaine de Staël, à travers les aventures de Léonce, Mathilde de Vermont et Thérèse d'Hersin, illustre la thèse selon laquelle les âmes d'élite ne peuvent trouver le bonheur dans cette société hypocrite et conventionnelle. Son roman, Corinne ou l'Italie, 1807, révèle la société italienne à la France. Germaine de Staël perçoit dans l'Italie contemporaine des germes de liberté, d'innovation intellectuelle et artistique. Corinne, le personnage central, est italienne. Oswald, qu'il aime, Derfeuil, un émigré français, à l'esprit parisien, et le troisième partenaire. Trois caractères et à travers eux, trois nations échangent ainsi leurs réflexions et leurs sentiments. Mais Corinne, c'est aussi Germaine de Staël, aux alentours à la fois lyrique et amère, romanesque et inquiète. Maintenant, nous allons voir un extrait de Corinne. Intitulé des paroles naturelles et sincères. En recevant le billet d'Oswald, un trouble cruel s'empara de son âme. Elle le crut dans un grand et partit à l'instant à pied traversant le corso à l'heure où toute la ville s'y promène. Et entrant dans la maison d'Oswald, à la vue de presque toute la société de Rome, elle ne s'arrêta de réfléchir. Et sa course avait été si rapide qu'en arrivant dans la chambre d'Oswald, elle ne pouvait pas respirer ni prononcer un seul mot. Lord Nelville comprit tout ce qu'elle venait de hasarder pour le voir. Et s'exagérant
les conséquences de cette action qui, en Angleterre, aurait entièrement perdu de réputation une femme et à plus forte raison une femme non mariée. Il se sentit saisi par la générosité, l'amour et la reconnaissance. Pardon. Et ce été, il serra Corinne contre son cœur et s'écria « Cher ami, non, je ne t'abandonnerai pas. Quand ton sentiment pour moi te compromet, quand je dois réparer. » Corinne comprit sa pensée et l'interrompant aussitôt en se dégageant doucement de ses bras, elle lui dit après s'être informée de son état « Vous vous trompez, my lord, je ne fais rien. En venant vous voir que la plupart des femmes de Rome n'eussent fait à ma place. Je vous ai su malade, vous êtes étranger ici, vous n'y connaissez que moi. C'est à moi de vous soigner. Les convenances établies sont très respectables quand il ne faut pas leur sacrifier que soi. Mais ne doivent-elles pas céder aux sentiments vrais et profonds que fait naître le danger ou la douleur d'un ami? Quel serait donc le sort d'une femme si ces mêmes convenances sociales, en permettant de défendre seulement le mouvement irrésistible qui fait voler au secours de ce qu'on aime. Mais je vous le répète, my lord, ne craignez point. Qu'en venant ici, j'ai par mon âge et mes talents, à Rome, la liberté d'une femme mariée. Je ne cache point à mes amis que je suis venu chez vous. Je ne sais s'ils me blâment de vous aimer, mais sûrement ils ne me blâmeront pas d'être dévoué à vous quand je vous aime. » En entendant ces paroles si naturelles et sincères, Oswald éprouva un mélange confus d'impressions diverses. Il était touché par la délicatesse de la réponse de Corinne, mais il était presque fâché que ce qu'il avait pensé d'abord ne fût pas vrai. Il aurait souhaité qu'il eût commis pour lui une grande faute, selon le monde, afin que cette faute même, lui faisant un devoir de l'épouser, terminât ses incertitudes. Il pensait avec humeur à cette liberté des mœurs d'Italie, qui prolongeait son anxiété en lui laissant beaucoup de bonheur, sans lui imposer aucun lien. Il eût voulu que l'honneur lui commandât ce qu'il désirait. Ses pensées pénibles lui causèrent de nouveau des accidents dangereux. Corinne, dont la plus affreuse inquiétude, sut lui prodiguer des soins de pleine douceur et de charme. L'explication des mots. Trouble. Ce qui n'est pas limpide. Ce qui n'est مقابل العربي أقدر أو أكير. Cruel, qui cause de la souffrance, qui fait mal. مفجع, فض. Hasardé, entreprendre quelque chose en risquant d'échouer. Prendre un risque. خاطر. Réputation, manière dont quelqu'un est considéré. Cite, sommet. Compromettre. Porter préjudice à quelqu'un en l'impliquant dans une affaire illégale ou bien contraire aux lois et à la morale. Les convenances. Caractère de ce qui convient, c'est-à-dire ce qui est accepté normalement par la société, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Les convenances, ça veut dire les choses qu'on peut faire. Pourquoi l'arabie al-araf? Sacrifier, abandonner volontairement quelque chose ou quelqu'un au profit ou d'une autre chose, d'une autre chose. De مقابل عربي صريح تنازل. Non, pardon. ضحى
تنازل أو انقاد تعني le mot céder. Céder, c'est le mot donner, livrer. هي اللي المقابل العربي ديال تنازل أو انقاد. Irrésistible. On ne peut résister. مقابل العربي ما لا يمكن مقاومته. Talent. Aptitude particulière à faire quelque chose. Ici, dans ce texte, donc on parle de Corinne, qui est à la fois improvisatrice, peintre et musicienne. Arabi, des talents, plein de dévouement. Quelqu'un qui fait beaucoup de choses pour autrui. متفانٍ يبذل أقصى الجهد. Sincère, franc, loyal. مقابل عربي أمين موثوق به مخلص. Éprouvé. Avoir une sensation, un sentiment. مقابل عربي شعر أحس. Confus. Dont on ne peut distinguer les éléments. Ramid Mobhem. Délicatesse. Fait d'être délicat. Qui demande de la prudence. Et généralement, quand on parle de délicatesse, on parle de raffinement, de classe. Mokabil Arabi Akhtareh Raqin. Auruqi. Humeur. Disposition émotionnelle dominante. Dire l'état de la personne. Ok, il est en arabe, mesage ou khuluq. Anxiété. Vive inquiétude. Mokabel arabe, inziage ou khalaq. Prodiguer. Donner généreusement. Ata bisakhin. Bon, ce texte est un texte qui est vraiment très facile. Je vous propose de requestionner des mots. Et à la fin de ce cours, je vous souhaite une bonne santé. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Ne faites pas n'importe quoi, restez chez vous. Lisez, écoutez de la musique, faites de la cuisine et... essayez de faire des choses intéressantes et ne compromettez pas votre santé. Essayez. Au revoir et à bientôt. Bossuet. Bossuet Jacques Bénin. Naissance 27 septembre 1627 à Dijon et 1704 à Paris. Ordonné prêtre à 20 ans après une solide formation chez les jésuites à Paris, ce jeune théologien devient rapidement le prédicateur préféré de l'Église. Il gagne la confiance de Louis XIV qui lui confie en 1670 l'éducation du dauphin et lui demande de prononcer les oraisons funèbres, c'est-à-dire les discours aux prières religieuses. On peut traduire ça par khutab ta'biniya. Je disais, et lui demande de prononcer les oraisons funèbres des plus hauts personnages de la cour. 22 évêques de Meaux. Il se bat contre tous ceux qui lui semblent l'unité religieuse du pays. Protestants, jansénistes, gens de théâtre, quiétistes. Tout esprit critique semble dangereux à cet homme de foi qui pense que seule la tradition peut garantir la paix, celle du royaume comme celle
des âmes. Bossuet est l'art de l'éloquence. Ses ouvrages d'histoire et de théologie, ce sont ses sermons et ses oraisons funèbres qui l'ont rendu très vite célèbre. Au début du siècle, multipliait les éloges hyperboliques, l'image outrée, les pédantismes, les préciosités en maître Vincent de Paul. Bossuet fuit les artifices oratoires, s'adapte à l'auditoire, construit clairement ses interventions. Les images nourries de la lecture de la Bible se lient aux citations du texte sacré qui rappellent que le discours est au service d'un message religieux. Dans les oraisons funèbres, il évite le risque de complaisance en faisant de ses discours d'apparat de véritables serments. Question, exclamation, apostrophe animent le discours et contribuent à cette grandeur majestueuse qui tient un peu à la poésie, comme disait Oraison funèbre d'Henriette d'Angleterre. Henriette d'Angleterre, qu'on appelle Madame, car elle est l'épouse du frère du roi, meurt brutalement à 26 ans. Quand Bossuet évoqua ces moments terribles, l'auditoire, écrit Voltaire, éclata en sanglots et la voix de l'orateur fut interrompue par ses soupirs et ses pleurs. Le texte. Considérez, messieurs, ces grandes puissances que nous regardons de si bas, pendant que nous tremblons sous leurs mains. Dieu les frappe pour nous avertir. Leur élévation en est la cause, et il les épargne si peu qu'il ne craint pas de les sacrifier à l'instruction du reste des hommes. Chrétiens, ne murmurez pas si Madame a été choisie pour nous donner une telle instruction. Il n'y a rien ici de rude pour elle, puisque comme vous le verrez dans la suite, Dieu la sauve pour le même coup qui nous instruit. Nous devrions être assez convaincus de notre néant. Mais s'il faut des coups de surprise à nos cœurs enchantés de l'amour du monde, celui-ci est assez grand et assez terrible. Ô nuit désastreuse, ô nuit effroyable, pardon, où retentit tout à coup, comme un éclat de tonnerre, cette étonnante nouvelle. Madame se meurt, Madame est morte. Qui de nous ne se sentit frappé à ce coup, comme si quelque tragique accident avait désolé sa famille. Au premier bruit du mal si étrange, on a couru à Saint-Cloud de toutes parts. On trouve tout consterné, excepté le cœur de cette princesse. Partout on entend des cris, partout on voit la douleur et le désespoir. Et l'image de la mort. Le roi, la reine, monsieur, toute la cour, tout le peuple, tout est abattu, tout est désespéré. Et il me semble que je vois l'accomplissement de cette parole du prophète, le roi pleurera, le prince sera désolé, et les mains tomberont au peuple, de douleur et d'étonnement. Mais, et les princes et les peuples gémissaient en vain monsieur, en vain le roi. Même tenez madame serrée par de six étroits embrassements. Je serrais les bras, mais j'avais déjà perdu ce que je tenais. La princesse leur échappait parmi des embrassements si tendres. Et la mort plus puissante nous l'enlevait entre ses royales mains. Quoi donc? Elle devait périr si tôt. Dans la plupart des hommes, les changements se font peu à peu. Et la mort les prépare ordinairement à son dernier coup. Madame, cependant, a passé du matin au soir ainsi que l'herbe des champs. Le matin, elle fleurissait avec quelle grâce, vous le savez. Le soir, nous la vîmes sécher. Et ces fortes expressions par lesquelles l'Écriture sainte exagère l'inconstance des choses humaines devaient être pour cette princesse si précise et si littéral. Bossuet,
aux raisons funèbres d'Henriette d'Angleterre le 21 août 1670. Oraison, prière religieuse. يمكن ترجمتها بابتهال تضرع. Funèbre, relatif aux funérailles, genèse. Donc, oraison funèbre veut dire une prière liée aux funérailles. يمكن ترجمت الكلمة كما oraison funèbre par répétition. Janséniste, qui fait partie du jansénisme, qui est une doctrine de Jean Sénius et ses disciples. Serment, prédication. Hyperbolique, qui a le caractère d'une hyperbole, qui est un procédé qui consiste à exagérer l'expression. Pédantisme, caractère de ce qui est pédant, c'est-à-dire ce qui fait étalage de son savoir. Précocité. Caractère recherché du langage. Rude, qui a des manières grossières, brutales. Élévation. Élévation, action d'élever. Sacrifier, abandonner volontairement quelque chose ou quelqu'un au profit d'un autre ou d'une autre. Le tarjama muqabil l'arabi dha, néant, ce qui n'existe pas, yani al-adam l'arabi. Étonnante, qui frappe comme le tonnerre. Désolé. Désolé veut dire ravagé, détruit, désert. Ajrad l'arabia. Consterné, stupéfait par un malheur. Mundehish l'arabia. Gémir, être accablé, souffrir. Muqabil l'arabi tawajja ou anna, aninan. Embrassement, action de s'embrasser. Ihtidal, mu'anaq. Périr, mourir. Feignant. Exagère, exagérer, grossir, donner un caractère qui dépasse la normale. Asrafa ou afrata. Inconstance, tendance à changer facilement d'opinion. Tahawul, tahayyur. Littéral, qui s'attache à chaque lettre d'un mot. Maintenant, l'arabia. Al-harfi, maintenant al-harfi, sens littéral. Bon, écoutez, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de Madame de Sévigné. Nom et prénom de Sévigné Marie, née Rabutin Chantal. Naissance 5 février 1626 à Paris. Décès 17 avril 1696 à Grignan en Provence. Veuve à 25 ans, la marquise de Sévigné brille dans les salons du grand monde par sa vivacité, son charme, son esprit. Et se consacre surtout à l'éducation de ses deux enfants, Marie-Françoise et Charles, qu'elle aime tendrement. C'est pourquoi elle est désespérée lorsqu'en 1671, sa fille doit la quitter pour rejoindre son mari, le comte de Grignan, en Provence, où il est lieutenant général. Seules les lettres peuvent apaiser la douleur de la séparation. Le départ du courrier deux ou trois fois par semaine rythme désormais la vie de la marquise. Elle écrit des centaines de lettres à sa fille qui lui répond régulièrement. Dès qu'elle le peut, la mère rejoint sa fille au château de Grignan où elle s'éteint à 70 ans.
Madame de Sévigné et les pistolets. Si, parmi tant d'autres, les lettres de Madame de Sévigné sont restées célèbres, c'est d'abord pour leur extrême variété. Elles font partager au jour le jour la vie d'une marquise du grand siècle. Tour à tour, amusée, désinvolte, poignante, la marquise sait faire voir les événements de la cour auxquels on a l'impression d'assister. Mais surtout, l'amour de la marquise pour sa fille donne à chaque lettre une intensité qui en font le charme et la valeur. Les lettres de la mère retissent un lien que la séparation a déchiré. Elles font partager des sentiments qui resteraient voués au silence. Comme toute écriture véritable, elle lutte contre l'absence. Quelques siècles plus tard, ces lettres sont toujours merveilleusement vivantes. C'est en cela que, sans l'avoir voulu, Madame de Sévigné est vraiment un écrivain. Un exemple de lettre. Le 4 février 1671, Madame de Grignan, c'est-à-dire la fille de Madame de Sévigné, part rejoindre son mari en Provence. Sa mère, la marquise de Sévigné, se retrouve seule dans sa demeure parisienne. Dans ses toutes premières lettres à sa fille, elle exprime sa douleur et son inquiétude. Je vous assure, ma chère bonne, que je songe à vous continuellement, et je sens tous les jours ce que vous me dites une fois, qu'il ne fallait point appuyer sur ces pensées. Si l'on ne glissait pas dessus, on serait toujours en larmes, c'est-à-dire moi. Il n'y a lieu dans cette maison qui ne me blesse le cœur. Toute votre chambre me tue. J'y ai fait mettre un paravent tout au milieu, pour rompre un peu la vue d'une fenêtre sur ce degré par où je vous vis monter dans le carrosse de Dacqueville et par où je vous rappelais. Je me fais peur quand je pense combien alors j'étais capable de me jeter par la fenêtre, car je suis folle quelquefois. Ce cabinet où je vous embrassais sans savoir ce que je faisais, ces capucins où j'allais entendre la messe, ces larmes qui tombaient de mes yeux à terre, comme si c'eût été de l'eau qu'on eût répandue. Sainte Marie, Madame de Lafayette, mon retour dans cette maison, votre appartement, la nuit et le lendemain, et votre première lettre et toutes les autres, et encore tous les jours et tous les entretiens de ceux qui entrent dans mes sentiments. Ce pauvre Dacqueville est le premier. Je n'oublierai jamais la pitié qu'il eut de moi. Voilà donc où j'en reviens. Il faut glisser sur tout cela et se bien garder de s'abandonner à ses pensées et au mouvement de son cœur. J'aime mieux m'occuper de la vie que vous faites présentement. Cela me fait une diversion, sans m'éloigner pourtant de mon sujet et de mon objet, qui est ce qui s'appelle poétiquement l'objet aimé. Je songe donc à vous et je souhaite toujours de vos lettres. Quand je viens d'en recevoir, j'en voudrais bien encore. J'en attends présentement et reprendrai ma lettre quand j'en aurai reçu. J'abuse de vous, ma chère bonne. J'ai voulu aujourd'hui me permettre cette lettre d'avance. Mon cœur en avait besoin. Je n'en ferai pas une coutume. Maintenant, nous passons à l'explication des mots épistolaire, qui se rapporte à la correspondance et aux lettres. مقابل عربي متعلق بالرسالة. Marquise, femme d'un marquis, titre de noblesse entre celui de duc et celui de comte. مقابل عربي متعرف عليه هو marquise. Songez, pensez à. Fakkarafi, degré. Ici veut dire escalier. Daraj Audor. Je ne sais pas. Un paravent. Meuble d'appartement destiné à isoler. Hijab ou sitr. Carrosse. Une voiture de grand luxe tirée par des chevaux et qui a normalement 4 roues. Mokabel arabi, mkin tajamatoueb araba. Capucin.
les moines de la rue d'Orléans dans le marais. Je pourrais traduire ça personnellement par les gélatines, sans vraiment spécifier le courant auquel ils appartiennent. La messe, sacrifice saint, service divin, Quddès, l'arabien. Présentement, veut dire à présent, al-an, halin, diversion, action de détourner l'esprit de ce qui l'occupe, ilha ou telhiya, abuser, dépasser la limite, مقابل العربي استعمال الشيء او جاوز الحد حسب السياق كابيني petite pièce à l'écart. Ici la Sainte Marie c'est le couvent où la fille de Madame de Sévigné a été élevée.